Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Maintenant, c'est le drame. On mangeait déjà tout. Ah bah tiens. Oh, tu vas péter. Oh, y a des mecs là-haut en plus. Ah ouais, par contre, ça va pas. Tu sais quoi, moi je tiens un peu dans le taf, sachant que j'ai encore des munitions sur le côté après récupérer. Ah bah là, t'es foutu. Ah, parfait, maintenant je suis plein. Regardez quoi, il va se faire. Ah non, me dis pas que ça leur fait rien en plus. Elle lance grenade, ça leur fait rien quasiment. Ah, lui il brûle par contre. Lui ça lui a fait quelque chose. Ah, je pensais que ça faisait rien. Attends. Vous allez mourir, croyez-moi. Je vais mourir. Ouais, je crois que je t'ai pas vu derrière le petit muret. Ah, il y en a, ils sont trop forts. Comment ils se cachent? Par contre, lance-grenade, c'est bien beau, mais ça ne va pas comme on le croit en fait. Moi, au début, je pensais que ça allait tout simplement droit sur les ennemis, mais il faut être vraiment très très collé, très proche. Et malheureusement, bah là, c'était pas trop ça. Hein. Je pensais pouvoir vraiment bien le positionner, le projectile, mais ça n'a rien fait du tout. Aucun dégât collatéraux, rien du tout. En tout cas, pourquoi ça fait ça là, chargement là? Ah, merci. Oh non, je recommence là. Ouais, c'est pas forcément évident. Allez, j'ai un lance-grenade, tiens. J'ai bien comment il gueule, je vais pas te louper. Hein. Je sais pas, j'ai trouvé au Club Med. Il y a des mecs encore ici. Tiens, prends. C'est bien ça, en fait, je tire là. C'est bon, j'ai neutralisé enfin tout le monde là-dedans. C'est bon, oh, j'ai pas envie de je vais faire quelque chose. Là, vous voyez, ça fait rien. Ils sont encore plus collés. Tiens, il y aller là. Oh là, j'ai pas de recommencer, s'il te plaît. Merci. Bon, petit chagrin. Ah, le lance-grenade, c'est bien beau, mais je crois que c'est le truc le plus fou à manier. Au score. Toi, normalement, tu pètes ici. Ah, il a pété, non? Il a pas encore pété. Oh, il a pas encore pété. Il a pas encore mal. Bon, il y a combien de cadavres à ramasser maintenant? Troisième. C'est tout ce qu'il y avait. Tu te fous pas de moi là. Ah, tu vois, j'allais oublier ça. Nickel, le campement, on va améliorer enfin nos armes. Peut-être que je pourrais mettre beaucoup plus de lance-grenades, je suis pas certain de ce que je veux dire. Attends, tu te fous de moi, c'est pas un campement ça? Ah, merci. Ça, je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs là? Donc le fusil moderne est amélioré. La fameuse compétence qui va nous servir, ça sera quoi qu'on pourra améliorer? Ce sera... maîtrise des armes, je sais pas, on va voir. Ça, je m'en fous du pistolet pour le moment. C'est lequel que j'ai presque mis à fond? Bah, c'est celui-là, c'est quoi? Je vais pas m'embêter, je vais tout mettre à fond. Ça, c'est quoi ça? On va monter un peu plus vite, ça pourra peut-être nous aider. Après, il restera celui-là à mettre. Ouais, je vais les faire dans l'ordre en fait. Hein. Pas trop, c'est pas trop grave là. Fusil machin, c'est quoi ça? C'est mon fusil à pompe ça encore? Il peut tirer des balles enflammées, tu te fous pas de moi. Ça coûte très cher. Le fusil, j'ai toujours pas amélioré. Deux petites secondes, parce que là, il est un peu plus intéressant. Lance-grenade.
Celui-là, on pourra beaucoup plus le perfectionner. Il y a un silencieux? Oh. Ça, c'est un silencieux, ça. Non, même pas. Bon, bah, c'est bon, en fait. Tout est parti dans l'arme, en fait. Les 1000 points, j'ai amélioré l'arme à fond, pratiquement. À 64%. C'est pas vrai. Pour vous faire plaisir, on change de tenue, on passe à la 4. Ça, vous allez pas me dire, je mets tout le temps les mêmes vêtements. Parce qu'il y a des vraies paranoïas des vêtements là-dedans dans ce jeu. Maintenant, où est-ce que je dois passer? Mur d'escalade, ici. Ah non, ils ont disparu les corps. Oh, je suis déçu. Oh non, encore des pétrins. Encore le pétrin qui s'annonce. Voilà, lance-grenade, à mon avis, il y aura encore des mecs ici. Ne vous approchez pas! Viens avec nous, on ne veut pas de mal! N'approchez pas! Ah! Je suis pas repéré pour l'instant. Voilà, nous on va sauter. Par contre, c'est un peu obscur là, je sais pas si vous voyez bien, mais moi en tout cas, je vois un petit peu d'une façon obscure là. J'ai des lance-grenades, des munitions. Oh, j'ai pas mal de balles quand même, bon. Vous allez me dire, il faudra faire quand même attention de ne pas trop se précipiter, on sait jamais ce que je peux attendre. Ça a l'air pas si facile que ça, hein. Oh putain, ah, y'en a. Trois mecs, ouais, ça je l'ai fait péter. Hop, nous on s'en va. Attendez, je tire bien haut. Oh non. Alors en grenade, il a trop pas de portée en fait, je trouve. Il a pas de portée du tout, tu veux plutôt dire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au tuto ici? Tiens, ça, il y a le cadavre ici. Il y a le cadavre ici. Ah, ça marche pas. Par contre, croyez-moi, hein, question de jouabilité au niveau des armes, plutôt de fusil, c'est moins évident, je préfère l'arc. Hein. Oh là 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 là. L'autre il est là-haut, est-ce que j'ai pu voir? Génial, parce que même le balcon il se casse la gueule. Il faut heureusement qu'il va faire son effet. Non, c'est pas forcément trop facile, hein. Ah ouais. Ils sont vraiment bien nombreux. Hein. Bon, toi, garde ton côté pour toi. J'en veux pas, j'ai pas soif. Et lui, il a ouvert juste là, on l'a vu en fait. Hein. C'est quoi, c'est un trophée encore que j'ai obtenu? Ah, parce que ça y est, je joue au pistolet maintenant. Il faut être malin en fait, faut tout le temps être dans le mouvement. Oh purée, j'étais trop haut. Il y a beaucoup d'armes là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Lance-grenade. J'ai l'impression qu'ils veulent que je joue plus en lance-grenade là. C'est dans le temps. Il y en a un là? Non, tu bugs, il y en a même. Merde, il y en a juste là. Il faut se détendre un peu là. L'autre il est où? Vous l'avez repéré parce que je le vois pas moi. Il a pris un camouflage spécifique. Hein. Voilà, j'ai pas de secret. Là il y a des trucs à récupérer. Non, oh, j'ai déjà tout, c'est pas vrai. Caisse de munitions. Quand même sur tes gardes, on sait jamais ce qui peut arriver par la suite.
Ils veulent vraiment que je finisse son machin là. Non, pas l'arc. Ils veulent vraiment que je finisse avec lance-grenade là. Ah, ça y est, cinématique. Elle est en bas. Le réflecteur, il est immense. Éclaire-moi la cible. La voilà. Abattez-la. C'est pas précis. Je vais faire l'arc. C'est désolé. Hein. Même ça, ça fait rien. Voilà, t'as un là. Mince. Ah, il m'a bien mis quand même. Bah, ça va sentir le drame brûlé. Le cadavre brûlé, je voulais dire. Le drame brûlé. Ah là là, Lara Croft, tu commences à me rendre fou là. C'est pas vrai. Éclaire-moi la cible. La voilà. Abattez-la. Ah, il a fait péter un tonneau caché. Ah d'accord, il y a des tonneaux enterrés sous terre maintenant. C'est nouveau. C'est nouveau. Bon, Lara, je t'aime bien, mais il faudra qu'on trouve une issue très fastoche. Hein. Éclaire-moi la cible. J'ai l'impression qu'il est protégé, son réflecteur. Ah, tu vois. Il a été bien protégé son main. C'est pas vrai, il y a encore des mecs ici qui se cachent. Non. Allez, tire plus haut. Non. Il est craqué. Moi aussi je vais aller là-bas. Toi aussi, t'étais juste à côté, t'es où toi? Voilà, trop fastoche. Bon, à mon avis, c'est par là-bas qu'il doit y être. Ouh là 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 là, ça va péter. Cache-toi derrière ça. Ah non, il va encore mourir. Mais comment tu fais ça? Ah, tu peux pas l'ouvrir là, tu vois, c'est vrai là, la grosse. Ah, le jeu des fois, il me rend malade. Ah, j'ai compris ce qu'il veut que je fasse, mais comment tu procèdes là-bas? Et un lac en plus et tout. Ah, tu peux pas passer que par ces tissus-là. Là aussi, tu peux pas sauter, donc en fait, il faut que je tire par la fenêtre. Ok, si tu veux. Ah, tout simplement, j'ai balancé le truc au pif là. Entendu, t'arrêteras pas Lara Croft. Même pas il se casse le truc, donc en fait je pouvais viser tous les flèches que je voulais, ça aurait jamais cassé. Lara, Lara, passe par dessus. Oui, je vais te libérer. Va chercher Ross, je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord? Je t'en prie, fais-moi confiance. Allez. J'ai eu confiance. Mais avant ça, je vais faire confiance aux munitions, moi. Ah, mais là, c'était pas évident, la tourelle. Non, mais ils abusent quand même des fois, ils te mettent des passages comme ça. Ça corse un petit peu le jeu, mais c'est quand même assez chiant pour body. Hein. En fait, faut mettre des jeux trop faciles pour body, ou tout simplement tu marches à l'endroit, c'est tout ce que j'ai à faire. T'imagines? Parce que là, il y a des jeux comme ça qui me compliquent un peu la tâche. C'est quoi tous ces trucs qui brillent là hein? J'ai pas, c'est du TNT. Ah bah je l'avais bien dit. On va tout pas s'embraser là. Ah mais faut vraiment limite tout calculer quoi avec ce truc. Après faut que je saute là-haut. C'est quoi, je vais même passer quelqu'un derrière. Il y a quoi dans cet hélicoptère là, petit? Parce que... Ah ouais, c'est votre méchant là. Oh là là. Allez ma petite héroïne. Détruisez tous ces fonds. Mais on va tuer nos hommes. Ah,
alors? Y a-t-il d'autres incroyants? Bon bah, je déteste les caméras en plein l'envers, mais bon, on va faire avec, hein. Faut pas que tu meurs, un petit bouton X. Heureusement que tu vois mon bouton comme ça. Ça, ça change pas parce qu'il y a des jeux comme ça où tu mets pas comme ça. Là 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 là. Je déteste. Croyez-moi. Je vais craquer, je suis comme ça. Oui, et après bon, c'est bon, je suis arrivé. Attendez! Mais tempête! C'est trop dangereux! Force! Merde! Y'a des dynamites? Oh non, ça va péter! Va-t'en de là! Après, je vais où là? Ah oui, c'est par là! Ah, mais y'a des petits chemins! Oh non, non, c'est pas que ça me pète! Oh le cœur! Bah, il traverse des murs maintenant quasiment! C'est un truc qui pète dès qu'il arrive! Oh, la rapidité du machin. Bon, je me mettais, hein. Mais c'est trop marrant. Vas-y, petite là, vas-y. Tiens, c'est cool sur ce jeu. Oh là là, c'est pas possible. Oh non, mais moi il me donne carrément le frisson ce jeu. Comment finir cardiaque? Je sais pas comprendre, j'espère. Qu'est-ce qu'il doit être escaladé là? Après, je vais. Ah, en plus, ça s'effrite! Non! Non, mais Lara! C'est le côté droit! Abruti! Vite, monte! Et monte! Lara, commence pas à faire des conneries. Vite, ça s'effrite. J'ai pas envie de mourir. La vie est dure. Elle est vraiment abusée, cette connerie. Après on saute. Oh, d'accord. Oh là là, les effets spéciaux là. Là, prends ma main. Et voilà. Oh, il faut qu'on se pose. Si on n'atterrit pas, on va s'écraser avec cette tempête. On peut pas partir. On ne peut pas les laisser! Il faut atterrir! Pas question! Pas avec ce temps! On ne peut pas les abandonner! Désolé, je vais pas encore risquer ma peau! Faites-le! On va se cracher! Allez! Putain, mais vous êtes vraiment dingue! Lara! Allez, là! Allez!
Elle est là. Et voilà. Jamais sans toi. Pardon, Lara. Pardon. Tu y arriveras. Tu es une Croft. Non, pas ça. Tu n'as rien, Lara? Si elle n'a rien, tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là? Tu es injuste, Reyes. Je sais. J'aurais pas dû dire ça. Mais bon. Ross, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier. Il faut lui rendre hommage. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez, Lara. Il faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois? Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres, mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct, mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Garde ça sur toi. Ross, qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu croies en toi. Personne ne part. Les tempêtes, elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau! On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels.
Jonah. Reyes. C'est pas vrai. J'aurais jamais dû les laisser y aller sans moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure. C'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.